bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Massive Chalice. On est prêt à un nouveau combat qui va, je pense, s'avérer assez tricky. On a un objectif, éliminer ce plisseur rapidement. On a quand même deux personnes au corps à corps en plus du bastonneur qui peuvent faire mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la place à une charge et on va aller attaquer parce qu'on a que 55% de chance de toucher. C'est de la merde. On va pas se mentir. On va activer le massacre ici. Ah, tu peux pas, t'es sérieux, tu peux pas passer par autre part que ça. 16-20 de dégâts. Bon, allez, go. Il y a un truc là-bas. Deux trucs là-bas. Ils nous ont vus en plus, ils ont une belle vision, ces petits cons. Du coup, on n'a pas repoussé, donc bah faut prier pour qu'on touche. Ok. Bah, c'est déjà ça de fait. On va approcher eux. On n'a plus de reliques dans notre pool de combat là. Je sais plus qui c'est qui a division, mais en tout cas, il est je ne sais où. Oh, coucou toi! Bah oui, on est là! Salut! Ah, tu peux m'attaquer en plus! Bah vas-y, fais-toi plaisir! Surtout ne te prive pas! Pourquoi s'emmerder finalement? Meuf, merde quoi! C'est quoi que t'as toi là? Ah oui, c'est vrai, le jet de fiole de recul. Ouais. Ça peut être utile ça! Ah, le plisseur qui apparaît juste là, quoi. Fait chier. Est-ce qu'on est capable de le toucher? Ici, on a la portée. Ici, on a la portée. Ok, ben c'est parti. Ils sont niveau 9. Hein. 9. Nous, on galère à avoir du niveau 7, quoi. Ok. On sent l'amélioration de l'alchimie quand même qui fait le taf. Hein. Bon, eux, visiblement, ils ont pas envie de casser ce truc-là pour passer. Donc pendant ce temps-là, on est tranquille. On va pouvoir avancer un peu plus tranquillement. On voit personne, très bien. Deux plisseurs! Très très bien. Et bah pourquoi pas. On avance. On avance. Va falloir qu'on les défonce en un tour. S'ils restent proches, ça va. S'ils s'éloignent, ça va être compliqué. Voilà, donc ça par exemple c'est de la merde. Mais vraiment. Je pense qu'il nous a repéré, il peut passer, donc il va de toute façon pouvoir venir nous mettre une tatane. Toi t'as quel âge? 20 ans, et t'as des cheveux blancs déjà. Ok. Bah on va aller taper tant pis quand même. Hein. De toute façon l'autre est trop loin. Là on pourrait avoir une portée, toi pour l'instant t'es coincé. Donc on va, alors après, réfléchissons. On pourrait aussi balancer une petite fiole de recul pour le stun. Ça, ça me plaît bien ça. Comme ça, c'est moins un danger déjà. Ensuite ici... Oh non, mais non, non, faut pas faire ça. Bon, on va pas tenter la chance une deuxième fois du coup. Te déplacer. Ouais, déplace-toi. Est-ce qu'on peut se prendre le risque de s'approcher? Je suis pas sûr. Je pense qu'on peut prendre le risque de mettre un coup, 23 à 60. Ouais, c'est toi qui as le plus de chances de toucher, donc vas-y. Cogne. Alors la furie là au niveau dégâts, c'est la fête. On va se contenter d'avancer un peu.
eux ils font n'importe quoi, ça me va bien. Ah, il a la portée, tant. Oh, ils ont tellement de portée, c'est abusé, franchement c'est abusé. Oh là là, quel enfer. C'est un truc de fou quoi. Ce déplacement de dingue qu'ils ont. Est-ce qu'il nous reste une fiole de recul? Oui. On va avancer. On va la tenter. Il va être stun normalement. Il est pas stun. Sérieux, il est pas stun. Merde. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Aïe 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 aïe. Alors typiquement, je pense que le truc de augmenter la durée de vie des héros, je sais pas pourquoi ils nous le proposent que maintenant, mais c'est quelque chose que on aurait dû chercher beaucoup plus tôt pour pouvoir avoir une chance d'avoir des héros qui peuvent monter au level 9 quoi. Oh là là. Elle a deux attaques? Non, elle a pas deux attaques. Ça va, on est pas tant dans le mal que ça. Qui c'est qui a de la potion? Toi t'as une potion, toi t'as une potion, bah. C'est chaud. L'autre il va avancer, il va juste avancer puis nous mettre une autre explosion en fait. Donc, on peut pas se soigner tout de suite, faut qu'on rush. Qu'on lui balance tout ce qu'on a dans la tronche. Donc en avant. Balançons-lui tout ce qu'on a dans la tronche. On a plus les geffrans malheureusement. Par contre on fait du dégât, ça c'est le bon point. Bon bah on est mort. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on est mort. Bah oui tu te rates, tu butes tes amis, qu'est-ce que je te dise moi. Nul. Putain, elle s'est ratée, du coup elle a ouvert un chemin. Donc c'est la mort. Là, elle va venir foutre la merde en invoquant des trucs, parfait. Deux attaques, parce que pourquoi pas, après tout. Ok, on peut pas passer pour aller la taper, c'est bien dommage. Par contre on peut peut-être lui jeter une fiole, non, on peut pas. Pas assez de portée, même toi t'as pas assez de portée. C'est un peu triste. On va s'éloigner, puis on va cogner. Est-ce que j'ai moyen de les toucher toutes les deux là? Ouais, j'ai moyen de les toucher toutes les deux. On va se mettre un peu plus loin. Et on va tenter un tir en espérant qu'il ne rate pas. Voilà. On prend un dégât, mais ça nous a permis de buter le machin. Bah là, Squash, franchement, on s'est tapé deux combats. Enfin, c'est juste pas possible quoi. Les plisseurs avec 60 PV, les berceaux qui te balancent deux attaques par tour, enfin. Ah, il y a un truc qui a déconné là. Les 40% d'esquive, on a 50% de chance de toucher les ennemis. À un moment, faut être cohérent avec l'évolution du jeu. Il y a un truc qu'on a merdé sur l'évolution du jeu, quoi. C'est obligé. Allez. 62% de chance, tu peux pas faire mieux. Et voilà, et pourquoi quand moi je les repousse contre le bord ça leur fait rien, alors que quand eux ils me repoussent contre le bord, ça me stun, ça me tue, ça me met complètement dans le mal. Ça aussi c'est une question qu'on pose pas assez.
Ah, t'as vu depuis le début, Squash? Bah, j'avoue une petite blasitude, là. Je dirais pas le contraire. J'avoue une petite blasitude. Alors, je sais pas, peut-être qu'on a, on a pas bien choisi nos compétences ou... Ok, là on la stun, pourquoi, comment? On ne sait pas. On peut tenter un truc là, peut-être même plutôt là. Ah non, ça touche notre copine. Parce que là ça va le repousser, mais pas dans un mur, ça m'embête un peu. Tant pis. Lui au moins est stun. On va se prendre juste 3 attaques et mourir, ça va. ans, hein, on est passé pas loin, mais il y a une telle augmentation de la difficulté d'un coup. Ça c'est le genre de truc que tu sais après plusieurs parties, parce que là franchement, j'ai plus de fioles. J'ai plus moyen, on va essayer de soigner au maximum de l'autre saloperie. Ah, puis en plus on se rate. C'est la fin. C'est la fin. Et toi Squash, t'as trouvé un truc pour que les alchimistes ils aient plus de fioles? J'ai jamais vu de recherche ou quoi que ce soit pour avoir plus de 5 munitions par combat. Et c'est quand même short 5 munitions par combat quoi. Donc là on va perdre là je crois, non ici. Et on perd un truc, ouais on perd ici, très bien, c'est bien ce qui me semblait. Et ouais, c'est la fin, c'est la fin. Là on a plus de héros. Alors on a une recherche en cours mais dans 230 jours, on aura quelques héros. Parfait. Hop là, parfait, on a quelques héros. On a quelques héros bonus. Pourtant, on était pas mal, hein. On a amélioré tous les propulseurs, on a amélioré les armures au maximum, sauf l'alchimiste. Ah, ces trucs là, les consommables, je les trouve globalement pas bons, alors est-ce que j'aurais pu me concentrer sur un truc? Pareil, ça c'était sexy, mais augmenter l'esquive des gens, sauf que le nombre d'objets qu'on peut prendre reste hyper limité quoi. Ça c'est apparu très tard, alors que des remparts j'en ai rencontré très vite, je sais pas pourquoi c'est apparu aussi tard. Ça c'est pareil, je pense que ça c'est des trucs qui apparaissent quand on, même si c'est marqué plisseur, quand on rencontre des plisseurs ou des remparts avancés. On va partir là-dessus, si on peut faire, si on peut tenir avec ça, ça peut aider. Alors... Un faucon plongeur arrive porteur de courts messages de Mathieu. Le vieillard est mort, je ne sais pas comment revenir mais je vais essayer d'allumer un cierge pour moi ou autre chose, je vous en prie. Disparu. Ok. Et c'est pareil, les events ils sont vraiment pas là pour t'aider putain. Oh la vache. Alors, bah go hein. Allons-y, et que toi de toute façon. Alors, on pourrait faire des frappes à boum, des violenteurs. Ça c'est non. On va prendre ça, hein. On n'a même pas la peine de regarder les compétences, de toute façon on n'a pas le choix. On met deux héros, on perd deux héros. Le fabrissage, bah pareil hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on pourrait éventuellement en mettre un, mais si jamais il y a le moindre imprévu. Et on va en avoir des imprévus, nos héros sont que level 5, donc je pense qu'ils vont se faire défoncer. Alors, ils envahissent ici, et ils envahissent là.
On va défendre ici, hein, avec un peu de chance. Des remparts, des ruptures et des manqués. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Chasseur, bastonneur, alchimiste, alchimiste. 3 Eplomax qui sont prêts au fight. Impressionnable, alerte, lent. Ouais, ok. Nicole. Regard d'aigle, impressionnable, lent, chasseur en meute, c'est pas mal. Généreux, force d'ours, étude rapide. Il y a le téméraire qui est un peu dommage, mais... Je pense qu'on va t'emmener, toi. Tu vas prendre la charge et tu vas prendre les objets. Alors, il y a des manqués qui sont là. Est-ce que ça vaut quand même le coup de prendre un pantalon? Non, vu les améliorations de fou qu'ils ont pour toucher, faut qu'on prenne des bonus pour toucher. Un chasseur. Tu fais quoi de beau dans ta vie, toi? Suivi, audition, tir aveuglant, c'est pas mal. Viens. Je regarde même plus les traits. L'équipement. La poignée. Deux alchimistes, ça me paraît malheureusement nécessaire, même s'ils sont nuls. Et ils sont nuls. La poignée. Un autre, rebelle, sursauteur, apathique. Ok. Toi tu vas prendre une potion pour changer un peu. 95 de précision, c'est pas si mal. Et après... impressionnable, médiocre, lent. Benet, généreux, tu n'auras plus de noceur, téméraire... Non, nerveux, non, nerveux c'est pas possible, nerveux. On va prendre elle là, qui est chasseuse en meute, ça sera très bien. Hop. Prendre une potion, on va te prendre ça, on va pas te filer ça, on va te donner l'armure d'os, un d'armure supplémentaire. Merde, viens. On perd de l'esquive, mais en vrai, a-t-on vraiment de l'esquive? 5%. Je préfère avoir une armure carapace bonus. Bon, c'est pas une équipe qui me plaît trop pour ce genre de mission, mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Alors, est-ce qu'on voit des ennemis? Deux remparts! Ben oui, pourquoi pas. Deux remparts plus un ennemi là, un ennemi là. Parfait, c'est parfait. On n'a même pas assez de portée pour aller caler un tronc explosif. Par contre, on va pouvoir aller caler quelques fioles. Donc ce qu'il faudrait éventuellement, c'est une charge à terme. Donc toi tu vas te placer là. Comme ça tu pourras charger. Avec un peu de bol, on pourra le repousser jusque là. Mais avant... Hop là, pardon. On va quand même tenter des petites attaques de zone. Alors toi tu peux toucher... D'ici tu peux toucher, intéressant. Donc par là... c'est pas mal. Voilà. Faire pas mal de dégâts. Prendre la défense carapace, c'est pas grave. C'est chiant, mais c'est pas grave. On a personne qui a de trucs qui repousse, donc lui de toute façon on pourra pas le repousser dans un mur ou je ne sais quoi. On peut aller là. Tenter de tirer sur ce truc, je sais pas ce que c'est, mais... vu le bruit, une graine. Ici du coup, on peut faire un petit tir aveuglant et se rater. Parfait. Absolument parfait. Alors là on va faire la charge et on va révéler tout le monde. Un rupture, ça c'est chiant par contre. Deux ruptures. Un autre rempart. Allô.
J'ai envie de dire allô les gens de nous balancer ça quoi. Sérieusement. Et nous on a 26 PV quoi. Tranquillou bilou. Allez, viens là. Et puis bon, on va voir comment on s'en tire. Parfait, on encaisse. Au moins on a la défense carabasse qui proc. Un autre rupture. Oh non, sérieux. Bon. On va se faire dépouiller. Ah, l'armure carapace elle fait le taf, hein, mais juste il y a trop de DPS en face quoi. C'est impossible, c'est vraiment impossible quoi. Je vois pas dans quel monde ça peut être possible en fait ce genre de combat. Alors là on peut tenter un tir, un truc explosif peut-être. Non ils sont trop loin, sérieux, ils sont trop loin quoi. Oh la plaie. J'espère que lui va pas nous voir, mais à mon avis... Oh, il a pas l'air de s'énerver. 17-21, c'est pas assez. Donc c'est la mort. Il n'a pas de potion utilisée. On peut lui jeter un truc explosif, mais ça fera rien. Il va se mettre là et il va nous tuer tous les deux, donc... A mon avis, c'est fini cette partie. Bah oui, parce que l'armure carapace s'enlève, hein, bien sûr. Voilà. Normal, normal. Tactiquement, on tente ce qu'on peut, hein, mais... Fait rien comme dégâts, va falloir y aller à l'explosif. J'ai voulu être trop économe, je pense. J'aurais dû y aller à la bombe là pour les finir. C'est ça qui m'a coûté cher. Donc à mon avis, il y a des bonnes chances qu'on perde cette mission aussi. On va pas lâcher hein, mais ah non, mais 97% de chance quoi. Ah, ah putain, c'est surréaliste. Allez go. Alors est-ce qu'on essaye d'aggro le deuxième? Non, on va déjà essayer de faire des dégâts à celui-là. Ah, les dégâts, ça reste relatif hein. Il nous a vu, il nous a vu. Aïe. Aïe. Bah j'avoue là Squash, j'ai plus trop la foi. Je pense que ça doit se sentir dans ma manière de jouer, mais le jeu m'a un petit peu blasé sur l'augmentation ultra brutale et injustifiée de difficulté. Oh 17, pourquoi 17? Donc, enfin voilà, là y a plus moyen quoi. Je peux tenter de les aveugler pour qu'ils me tirent moins, mais non, mais regarde, enfin 96% qui rate deux fois de suite. Voilà, au bout d'un moment, forcément quoi. Ça fatigue un peu. Dommage, je pensais en deux week-ends, je pensais vraiment pouvoir réussir à le faire. À terminer les 300 ans, mais bon, c'est ma première partie, hein, une fois de plus. Et là, l'augmentation du niveau de difficulté, elle est ingérable, juste ingérable. Voilà, 22 de dégâts. Alors que j'avais ma meilleure armure, l'armure maximum possible. Pourquoi pas? Ah, voilà, c'est fini. Il a raté 3 attaques à plus de 96.
c'est le genre de moment où voilà, le jeu te dit voilà, c'est fini, je vais faire en sorte tout ce qu'il faut pour que tu crèves. Et du coup, bah tu crèves. C'est tout. Ouh, attention. Il touche, monsieur. En vrai, ce serait possible hein, de terminer. J'ai déjà fait hein, terminer des missions avec deux mecs. J'ai même fait des missions entières avec deux mecs quand il n'y avait plus assez de héros. Mais pff, enfin, c'est trop pesant quoi. Je pense que c'était peut-être le live de trop là. Pourquoi d'un seul coup ces pourcentages ils augmentent comme ça hein? Parce qu'il a monté de niveau, du coup il touche plus. Non, je peux pas prendre de compétences pendant les combats. 50 PV ils ont eux maintenant aussi. Bah, allons-y hein. Il a une belle esquive hein. On peut pas dire le contraire. Je sais pas pourquoi il a attendu que tous ses potes soient morts pour se mettre à toucher, mais Non, il était pas Ouais, il est optimiste. Donc ok, admettons, il n'a pas 96% de chance de toucher, mais Même si c'était 80, ça va quoi. Non, il a rien de particulier, il fait sa vie. Il nous force à continuer la partie. Allez, on va avancer caché. Ah, ça bouge par là. Oula, ça bouge un peu trop par là. Ok, on va peut-être essayer de se sniper celui-là tout seul si on peut. En reculant genre là. Ah merde, c'est en rupture. Aïe. Oh la vache. On va reperdre 8 points de dégâts au début du tour. Voilà. Un autre rupture, c'est dommage. Ah, en plus il se rapproche. Est-ce qu'on peut aller se cacher là-bas le temps que notre suivi recharge? Ce serait pas mal. Il est à portée. Il est à portée. Ah dommage. Bon bah mec, toute ta vie se joue sur ce tir. Bien joué. T'as pas de potion toi hein? T'as une potion? J'ai regardé si t'as une potion quand même. Non t'as pas de potion. T'as pas de potion et t'as plus de truc aveuglant que t'as tout raté de toute façon. On le voit d'ici. C'est parti. Ah bah non. Ça y est, il s'est dit je vais m'énerver un petit peu et là c'était la fin. C'était le maximum qu'il pouvait faire. Voilà ici. Il y en avait deux, c'est bien ce qui me semblait. Alors ça c'est quoi? Aïe. Ça pue. Ah en plus il tire. D'accord. Bon bah, 6 tirs, ok, j'admets. Ah c'est ça, il faut qu'il combatte durant plusieurs batailles et quand il meurt, il a une chance de créer une relique, ok. Bon. Bah je crois que c'est la fin. On
On a même pas fait 250 ans, c'est bien dommage. Après, le temps de toutes les autres attaques, il faut peut-être un moment. Je sais pas s'ils vont attaquer ça tout de suite ou s'ils vont corrompre tout le reste. C'est parti. On va passer le temps. Ok, on a des passages à l'âge adulte, hein, ça aide quand même. Face à des délais parfois interminables entre deux assauts, vos héros ne peuvent pas supporter indéfiniment l'entraînement. Chronan Andran, pratiquement intenable, veut donner au reste des héros un autre exutoire que l'art de tuer pour passer le temps. Une bibliothèque, une taverne, un stage de franc-là, une galerie d'art. Un stade. Allez, c'est parti, fais donc ça, après tout, c'est le bon moment je pense pour faire un stade. Ok, on a amélioré un petit peu les trucs. On peut améliorer l'expérience parce qu'on a tué 63 manqués. 20 manqués évolués peut-être. Oui, ok, ça on a plus ce qu'il faut. Bah, je pense qu'on va recruter des héros, 9 ans. C'est comme ça. Là, c'est vide, mais on a personne à mettre de toute façon. Le modèle, bah, on a personne à mettre non plus. On peut pas se permettre. Non, c'est une femme en plus, donc non, bah du coup tu vas pas te marier. Je suis désolé. Et bah du coup elle est morte dans la foulée. Alors, on peut mettre elle. Fertilité médiocre, lent, impressionnable. Ou alors lui. Il est trop petit, on peut pas le marier, donc on va quand même. Ah oui, il faut quand même qu'on lui choisisse un partenaire tout de suite. Nerveux, mais non, mais faut arrêter avec ce trait quoi. Allez go. Oui, chance d'un enfant inconnu parce qu'il est trop jeune pour faire des enfants. Oh, il s'est passé une petite dizaine d'années. Ouais, je pense que je vais arrêter là l'épisode, il est suffisamment long de toute façon. Probablement le live aussi. J'espère en tout cas que ça vous a plu, merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'avoue que le jeu est vraiment sympa. Je pense qu'il faut le refaire, comme tu disais, Squash, plusieurs fois pour bien tout saisir, bien voir, prévoir ce qu'on peut faire, etc. Mais il y a eu un gap de difficulté à partir de 200 ans là, c'est vraiment pas justifié je pense. Mais bon, c'est comme ça, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous.